Selon la parabole de quatre pères.
Donc, cette personne-là, je ne vais pas juger personne, la première personne, mais peut-être même que les vrais enfants de Dieu, il y en a peut-être 10. Alors, je te demande, mais les autres, alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ces gens-là, il n'y a rien à faire. Ils ne changeront jamais. Jamais. C'est terrible ce que la parole dit. En fait, du mal. Nous avons premièrement le cas de Caïn qui, n'est-ce pas, offrait même des sacrifices à Dieu. Mais 1 Jean 3, 12 nous dit que Caïn était du malin. C'est-à-dire, il appartenait à Satan. Et ce qui est grave, c'est que parmi les enfants de Satan, il y en a qui ne le savent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont du diable. Bien sûr, ils sont conscients qu'ils ne sont pas dans la sanctification. Ils sont conscients qu'ils mentent, ils sont conscients qu'ils pêchent, mais ils ne sont pas forcément conscients que Satan est celui qui les a plantés sur terre. Tous ne sont pas créés par le Seigneur, ça peut vous choquer. Je veux dire, Dieu a créé, il n'a pas créé Satan, il a créé un homme et il est devenu Satan. Donc Dieu n'a pas créé Satan. Vous voyez? Et vous ne pouvez pas, de même que Satan ne peut plus être changé, et de même ses hommes et ses femmes ne peuvent pas être changés. Je vous dis, il y en a beaucoup qui sont là ce soir. Ils vont écouter la parole. Ils peuvent même l'acclamer. Ils peuvent même, n'est-ce pas, faire des offrandes. Mais ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils sortent de là et ils vont reprendre leur vie. Ils ne sont pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle la plupart de nos églises sont malades. La raison pour laquelle la plupart de vos pasteurs font ce qu'ils font. La dernière fois, j'étais là. Je vous avais dit de la part du Seigneur qu'un pasteur allait être exposé par le Seigneur parce que c'est un faux pasteur, c'est un loup qui couche avec des femmes, qui embrasse des femmes, qui ment, qui prend l'argent du Seigneur pour faire n'importe quoi pour entretenir ses maîtresses. Il y avait même un pasteur que vous connaissez ici. Comment dire, Marcel, qui était là aussi, que j'ai dénoncé devant tout le monde, qui était là, assis là-bas, avec sa maîtresse, qui est venue me voir pour confesser comment ce monsieur couchait avec cette femme, qui est venue me voir le même jour. Donc, vous voyez, pendant que le pasteur Marcel est dans, ça fait des années que je le connais, et ça fait des années que je le dénonce, et il ne change pas. Donc, vous n'avez pas à me dire qu'il est de Dieu, il n'est pas de Dieu. C'est livré. Et on est parti. Ce monsieur est allé à la télévision disant qu'est-ce qu'il a fait. Ben, il m'a dénoncé, n'est-ce pas, disant que François était devenu tout ça et que Dieu allait le justifier. Et vous avez vu le scandale qui a eu, sa détresse, une de ses détresses a explosé. Voilà, donc quand on regarde leur bâtiment, ben, ils sont remplis de monde. Et laissez-moi vous dire, tous ces chrétiens, la plupart là, ils ne sont pas de Dieu. Je dis bien de la part du Seigneur, ici, il y a aussi beaucoup de gens qui sont du diable, ils ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, ils ne changeront plus jamais. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Vous ne pouvez pas transformer, ça peut changer certaines personnes, mais c'est la vérité. C'est écrit, c'est vraiment écrit la Bible. Voilà. Beaucoup nous prennent pour des marabouts, allons-y, vous allez voir, on va prier pour les gens, on va voir les guérisons, on n'est pas des marabouts, nous ne sommes pas de Dieu. Vous êtes idolâtres. Nous sommes, partout où Dieu nous envoie, nous disons aux gens, si vous mourrez dans le péché, vous allez brûler éternellement. Mais les gens, ils pensent que c'est un jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Je vous dis une chose, autre chose. Un vrai enfant de Dieu n'a pas besoin qu'un pasteur, qu'un homme lui dise, ce que tu fais, c'est le péché. Non? Vous comprenez? Non. Le Seigneur dit aux apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable. Du grec, diabolos, un diable. Pourtant Judas était à toutes les réunions que le Seigneur organisait. Judas prêchait même la parole. Judas chassait
des démons. Judas priait pour les malades. Vous étiez un diable. Et qu'est-ce qu'il communiquait aux gens quand il leur imposait les mains? Il a communiqué les démons. Vous voyez? Comment un pasteur, beaucoup de femmes, un pasteur dont la maîtresse, dont l'une des maîtresses va le piéger au téléphone, et ce monsieur qui dit, tu viens devant sa maîtresse de venir chez lui, alors parce que sa femme est au travail, parce qu'elle ne rentrait qu'à 20 heures, et l'affaire est à faire un scandale, c'est comment un tel monsieur peut continuer malgré cela à prêcher la parole dans son ensemble. Vous voyez bien qu'il n'est pas de Dieu, on n'a pas besoin de vous le dire, ça. Quand vous allez dans vos armées, vous priez, vous n'y allez pas pour être dragué, vous n'y allez pas pour être dépouillé. Mais c'est ce qui se passe dans la foi de vos assemblées. Vous voyez, ils ne sont pas de Dieu. Donc, beaucoup ne sont pas de Dieu. Les Écritures nous disent, béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui n'a pas... Qui ne s'assoit pas l'assoir, qui ne s'assoit pas dans l'assemblée des moqueurs. L'assemblée des moqueurs. Mais quand vous faites vos carnavals, vous ne voyez pas que c'est l'assemblée des moqueurs. Vous ne voyez pas ces femmes sur les seins nus, vous ne voyez pas ces hommes qui sont complètement ivres, mais c'est l'assemblée des moqueurs. Et vous vous associez avec ces gens-là, vous allez tout après, vous venez prier Dieu. Non, mes amis, vous allez me trouver dur, mais laissez-moi, moi j'aime le dire la vérité. Et ceux qui me connaissent, là, on ne vient pas ici, on ne va pas ici là pour l'argent. Dieu ne nous a pas demandé d'être prêché pour prendre l'argent des gens. Il nous a envoyé pour sauver. Je vous dis souvent, moi j'ai vu l'enfer 7 fois. Et je vous assure, il y a une vie après la mort. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Il y a une vie après la mort. Et cette vie après la mort, c'est la vraie vie. Parce que même les couleurs sont plus intenses que les couleurs que nous avons ici. Donc c'est à vous de choisir véritablement ce que vous voulez. Il est temps que vous décidiez. Soit vous êtes du Seigneur et vous changez véritablement et Dieu vous sauve. Soit vous n'êtes pas de Dieu, alors en tout cas, il n'y a rien à faire. Parce que vous ne pouvez pas écouter le même message. La sanctification, la sainteté depuis des années, il n'a pas changé. Cela veut dire que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Vous voyez? Alors, Pierre, quand il a écrit cette lettre, il a dû faire le même constat que nous. Il a eu à prêcher la parole à des gens. Il a eu, bien sûr, à fréquenter les assemblées. D'ailleurs, il a eu l'expérience de Judas, qui partait certainement en histoire avec lui. En tout cas, Judas était un des apôtres. Et Pierre a constaté qu'il y a des personnes qui sont destituées d'intelligence. Vous savez, c'est Dieu qui rend intelligent. Ce ne sont pas les études que l'on fait. Parce qu'on peut concevoir que quelqu'un qui a pas plus de 10 puisse aller violer par la suite. Hein? Un bébé de 3 mois, 4 mois, une fille de 1 an, 2 ans, 3 ans qui passe la peur. Déjà, qui ont pratiqué la pédophilie. La plupart, ce sont des gens qui sont bien, n'est-ce pas, dans leur tête, qui sont, je veux dire, qui ont de gros diplômes parfois. Et ça, j'en parle en connaissance de cause, parce que les gens viennent confesser. Souvent, c'est des gens qui nous dirigent. Des enfants qui disparaissent. Vous voyez, ils sont soit intellectuels, mais ils ne sont pas intelligents. Parce que c'est Dieu qui rend intelligent. Donc, vous voyez, ce sont des gens à qui l'intelligence. N'a pas été renouvelé. Donc, quoi que vous fassiez, ils ne changeront jamais. C'est pour ça que vous avez des pasteurs. Hein. Ça va coucher avec les femmes. Il va y avoir des scandales. Ils vont continuer à prêcher. Ils sont pleins de honte. Voilà. Alors, on vous dit, mais Seigneur, il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en Guadeloupe, j'ai été choqué. Un pasteur vient me voir avec un frère. À la maison de Tion, ce pasteur me racontait ce qu'il a vécu avec un autre beau pasteur. Mais je me dis, mais Seigneur, mais c'est, on est à la fin. Et j'ai compris une chose, on est tout à la fin. Et je dis, mes enfants et moi, ma femme, les enfants, on va se préparer pour le Seigneur. On a mis en place une église de maison chez nous, où il n'y a plus ma famille, personne d'autre que ma famille, pour préparer ma famille à l'enlèvement. Parce que beaucoup ne vont pas partir. Alors autant préparer sa famille. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, aller dans les églises, là, c'est devenu encore pire qu'avant. Parce qu'on va côtoyer des gens qui ne veulent pas changer, qui sont des vrais sorciers, qui sont hypocrites. On va côtoyer des pasteurs qui vont draguer vos filles, qui vont draguer vos femmes, hein, qui vont prendre votre argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrez vos maisons, commencez à prier avec vos familles, commencez à mettre des cultes familiaux chez vous. Sauvez-vous de cette génération, parce que les gens ne veulent pas le ciel. Alors, il faut se sauver.
Je dis bien ce message concerne tout le monde, moi le premier, que personne ne dise « Ah, je veux plus qu'un tel soit là ». Tout le monde est concerné. Parce que même toi qui acquiesces avec la tête, ça se trouve même que tu vas rester à l'enlèvement. Je vous dis, ouais, je vois que les gens ne changent plus. Il y a un changement véritable, ils disent d'ailleurs, mais ce n'est pas possible. J'étais en Guadeloupe, une femme que je étudie parfois au programme, elle vient me voir, elle me dit toute l'année 2016, je me suis masturbé, et cette année, je résiste, je dis, mais tu n'es pas converti, je suis désolé, c'est pas pour le converti, tu n'es pas converti, je suis désolé. Je ne vois pas pécher qui remplit l'esprit de Dieu et prendre sa main et aller se faire plaisir sur lui-même dans un coin, je suis désolé, et dire après, c'est le lieu de grâce, non, il y a un problème. Soit l'esprit de Dieu est saint, soit il ne l'est pas, mais comme il est saint, on ne peut pas avoir à nous l'esprit qui est saint et de parler de la sanctification. C'est un problème, mes amis. Comment voulez-vous que les païens soient touchés? Regardez la honte que nous, chrétiens, nous faisons, Seigneur, auprès des inconvertis. Beaucoup de gens ne veulent pas prier. Pourquoi? Parce que quand ils entendent ces histoires, ils ne croient pas au péché. Les pasteurs divorcés, remariés, tout le monde voit leurs femmes. Bien sûr, ça va divorcer, ça va prendre les femmes sur les chorales. Et tout le monde voit ça, tout le monde acclame ça. Il y a un problème, mes amis. Comment vous pouvez laisser aux Antilles, laisser les pasteurs venir avant de vous prêcher la parole des imposés? Alors que tout le monde sait que ce monsieur couche avec plusieurs femmes, tombe sa femme depuis des années. Il y a un problème. Je suis venu à Martinique pour la première fois aux Antilles. Quand je suis venu aux Antilles, c'était pour la première fois. Je suis passé par la Martinique. C'est parce que monsieur, je suis arrivé. Et quand je suis fidèle de l'adultère, il y a 15 ans de cela, je me dis, pourquoi il faut que faut changer 15 ans. Et ça fait 15 ans qu'il couche avec les mêmes femmes, des femmes ici et là. Mais où sont les prophètes? Il n'y a pas quelqu'un en Martinique qui a pu se lever bien comme il faut à parler à la télévision pour parler. Amen. Je ne sais pas. Vous avez la possibilité d'aller prêcher à la radio ou à la télé. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, le constat est amer. Amer. Vous avez des gens qui viennent, ils font les programmes, tout ça, ils prennent l'argent des entiers qui repartent avec. Et les gens acclament ça. Vous avez des gens qui prennent l'argent des Martiniquais, tout ça, ils partent avec, tout le monde acclame. Et ça, il n'y a pas de souci parce que c'est du gospel, comme les gens sont après le carnaval. Donc il n'y a pas de souci. Il ne faut pas rigoler pour pleurer parce que Dieu pleure. C'est à cause de vous, c'est à cause de nous que les païens ne veulent pas se convertir. Parce qu'ils veulent un peu de discernement. Alléluia. Il y a un souci. Il n'y a pas quelqu'un ici pour aller. Nous en France, là, en métropole, on ne peut pas aller à la télévision pour s'approcher. Quand on nous donne l'occasion pour ça sur une chaîne, là, parfois j'y allais, mais là, ce n'est plus le cas. Mais on en profite pour aller sur la net pour prier. Mais ici, vous pouvez y aller. La dernière fois, j'ai passé. J'ai dénoncé. Mais vous avez ces faux pasteurs devant la télévision, ils vous parlent, vous préférez quoi? Carnaval. On attend le carnaval pour dire cette soeur. Elle est chrétienne? Carnaval. Attends, je te plante là-dedans. Et ça vient s'asseoir quand vous écoutez quoi? On rigole. Vous voyez, on est habitué au théâtre. Voilà. Au lieu de pleurer, non, ça fait rire. C'est normal. Et c'est comme ça que les gens voient l'enfer. Dieu pleure parce que nos églises sont malades. Malades. Où sont les prophétesses? Ce sont les prophétesses qui vont prophétiser dans leur petite assemblée, là, tout ça, et puis ne sortent jamais. Pour aller crier. Le sang coule, les gens voient l'enfer. Dieu pleure. Où sont les gens qui peuvent écrire pour diffuser les vérités, pour balancer les vérités, pour sauver les vies? Dieu pleure. Mais ils viennent, ils vous prêchent quoi? Vous êtes des champions, payez la dîme, vous serez bénis. Donnez 10% de vos salaires et vous serez milliardaire. Mais vous allez partir avec ces millions, ces milliards en enfer. On ne va pas vous enterrer avec. Et c'est ça, le drame. C'est qu'on nourrit les gens de faux espoirs. On les amène à aimer la terre, à aimer le monde. Et on va occulter la mort. Et les gens oublient qu'ils vont mourir un jour. Ils se croient invincibles.
Et on leur fait comprendre, on leur fait pas comprendre qu'ils ont affaire à l'éternité. Que l'obscurité des ténèbres est réservée à certaines personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, j'ai vécu les ténèbres de l'enfer, je vous assure. Ceux qui ont ce qu'on témoignait ça. Moi, croire en Dieu, à l'époque, non. Et quand on m'a pris, de transporter au ciel, dans l'enfer d'abord, là j'ai vu les ténèbres de l'enfer. Elles sont palpables. Je vous assure, c'est horrible. Beaucoup ne se rendent pas compte. Vous savez ce que beaucoup de gens veulent? Ils veulent juste la guérison. Pasteur, je ne suis pas pasteur. Frère, prie pour moi parce que j'ai des maux de tête. Et après la guérison, il y a quoi? Et après. Vous savez ce que monsieur vient de mourir? Prophète. C'est un homme de prière. C'est un homme qui priait. Quand on m'a appelé pour vous dire qu'il est parti, voilà, le messager, on n'est rien. On n'est rien. Vous avez vu le nombre des stars qui sont décédées en 2016? Énormément. C'est des gens qui étaient millionnaires, milliardaires. Ils sont morts. Je disais en Guadeloupe, je disais aux frères de la part du salut, nous sommes comme des fourmis. Regardez, il y a beaucoup d'agitation dans cette vie. Hein. On s'agite pour beaucoup de choses. Hein, des choses qui ne vont pas nous amener au ciel. On s'agite pour. C'est, la vie sur terre est remplie d'agitation. Agitation sur agitation. Comme les fourmis. Regardez l'image de fourmi. Elle va aller porter des poids, hein, des objets beaucoup plus lourds que lui, ou qu'elle, pardon. Parfois 3, 4, 5 fois plus que son poids, et elle va amasser. Vous voyez cette fourmi-là qui amasse. Et elle ressort de sa fourmilière pour chercher encore des choses à la nourriture, et puis ce jour-là, quelqu'un va l'écraser. Vous avez vu? Elle n'avait pas prévu ça. Eh bien, on est comme cette fourmi. Les gens se saignent pour gagner de l'argent. Ils se saignent pour s'habiller. Vous avez vu? Ils vont se battre pour avoir des belles voitures. Ils vont lustrer bien comme il faut. Ils vont nettoyer bien comme il faut. Ils vont se battre pour avoir, je ne sais pas, Bac plus 40 pour avoir. Ils vont se battre. Même à 50 ans, ils font encore des études. À 35 ans, ils font encore des études. Et à 50 ans, ils font encore des formations, à 60 ans, forment. Et à la fin, ils vont amasser beaucoup. Et une petite grippe va les emporter. Vous avez vu? Un moustique de rien du tout, qui vient comme ça, qui pique la personne, et qui lui transmet un virus, une pathologie, tout ça, et la personne, fragilisée, meurt. Et tout ce qu'elle a amassé. Vous voyez la vie? Vanité de vanité. Vous voulez croire aux hommes qui vont faire de belles promesses et qui ne peuvent pas forcément les réaliser? Honnêtement, l'homme qui n'a qu'un souffle, un souffle, et s'il est malade, s'il a du mal à respirer, si les poumons sont affectés, il faut un appareil respiratoire. Là, je me rappelle encore cette femme que je connaissais personnellement. Elle est tombée enceinte. Je lui disais, mets ta vie en règle. Tu viens avec un homme hors mariage. Tu as des rapports sexuels et ça ne plaît pas au Seigneur les rapports intimes comme ça dans le péché. Si Dieu t'interprète, si Dieu te reprend, tu vas aller où? Elle est rigolée. Elle n'a pas le temps. Elle est tombée enceinte. 9 mois après, elle est allée accoucher. Dans sa tête, c'était pour donner naissance à un enfant, mais c'était le jour où la mort avait prévu de la prendre. Elle est arrivée là-bas. L'accouchement s'est très mal passé. Elle a des problèmes pulmonaires, des problèmes respiratoires, et on l'a mis sous l'assistance respiratoire, et là, il y a une complication, n'est-ce pas? Et 3-4 jours après, on m'appelle pour me dire, ça y est, elle est partie. Mais avant de partir, on m'a demandé d'aller prier pour elle, je suis allé à l'hôpital, prier, mais
Le Seigneur m'a dit, c'est pas ton affaire. Elle est morte. Dans cet état, dans le péché. Oui? Mes amis, la vie sur terre est fragile. Mais on ne se rend pas compte parce que on est tellement entouré de gens qui nous font croire que nous sommes quelqu'un. À la télévision, on montre des belles choses. Hollywood nous ment. Avec des séries où on a l'impression que ces acteurs ne meurent jamais, ne mourront jamais. Et un jour, fini. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui était proche de vous qui est mort. Vous ne connaissez pas un ami, une tante, un oncle, un père, une mère, un fils, une fille, une cousine, une collègue. Et les gens disent, oh, on verra. Je ne suis pas encore prêt. Je veux changer. Et la parole nous dit, mais au départ, c'est pas toi qui es maître de ton souffle. Hein? Alors, ceux qui ne changent pas, ils ne sont pas du Seigneur, tout simplement. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est vrai, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Mais pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi les affaires ne veulent pas changer? Pourquoi les gens que l'on rencontre dans certaines assemblées ne veulent pas changer? La réponse est simple. Parce que ce sont les gens que Dieu a mis de côté pour le jugement. Il n'y a rien à faire. J'étais dans une assemblée. Avant de commencer l'œuvre, il y a 19, 20 ans de cela à peu près, le pasteur était devenu cupide, menteur. Le Seigneur m'a dit, sors de là. Je dis aux frères qui étaient là, je leur ai dit de sortir. Ils m'ont dit, non, on va prier pour lui, il va changer. Dieu m'a dit, dis-leur, il ne changera plus jamais. Ils ont dit, non, t'as pas l'amour. Je suis parti. 20 ans après, ce monsieur est devenu pire qu'avant. La parole dit qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ceux qui sont du malin aussi ne changent pas. Dans le sens où, vous ne pouvez pas changer les ténèbres en lumière. C'est impossible. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dieu dit dans la Bible, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Quand bien même un Éthiopien, un noir, mettrait des produits éclaircissants, tout ça, sa peau naturelle va revenir au galop. Vous voyez? Donc, ta peau met des produits éclaircissants, tout ça, tu vas redevenir comme avant. On ne peut pas changer sa nature. Et ceux qui sont des Seigneurs, bien sûr, Dieu peut le changer. Qui veut changer? Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte, Dieu dit qu'il y en a qui sont, ils sont nés pour être pris et détruits. C'est-à-dire, les bébés que vous voyez qui naissent là, Dieu sait que ce bébé-là ne pas de moi, celui-là est de moi. Waouh! Vous voyez le bébé A? Eh bien, il n'est pas de Dieu. Mais oui, le bébé est tout beau, il n'est pas de Dieu. Mais comment ça se fait? Ben oui, c'est Satan qui l'a planté. Donc, mais qu'est-ce qu'on raconte? Écoutez, dans Genèse 6, on nous dit qu'il y a des anges qui ont quitté le ciel et qui ont des rapports avec des filles humaines. S'il vous plaît, avec des femmes. Et ces femmes sont devenues enceintes et elles ont donné naissance aux géants. Vous voyez, des hommes, des personnes ont mis hommes et mis démons. Ah oui. Rien à faire. Donc, peut-être que le même procédé est utilisé aussi aujourd'hui. Dieu seul le sait. C'est-à-dire des démons qui viennent, qui vont mettre une part, avoir des enfants, tout ça, et puis ces enfants, comme Hitler, par exemple, comme certains pasteurs, ils ne sont pas de Dieu. Mais ils sont bons, papa, à l'essence. Hein. Ils sont, oh, il est beau, ce garçon, c'est un homme belle. Mais il n'y a rien à faire. Rien à faire. Quand vous rigolez, il n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, c'est vous en rendez compte. Parce que Dieu note tout. Depuis que je suis arrivé aux Antilles, le Seigneur me saisit. Quand je parle durement. Et ce n'est pas seulement aux Antilles, de plus en plus. Parce que Jésus revient.
vous ne vous rendez pas compte, c'est votre problème. Vous n'avez pas vu la guerre en Syrie? Vous n'avez pas compris que c'est la Troisième Guerre mondiale, hein? Vous n'avez pas compris que derrière la Syrie, vous avez l'Iran. Et derrière, n'est-ce pas, les rebelles, là, vous avez l'Iran derrière la Syrie, vous avez la Russie, une cible. Et derrière les rebelles, vous n'avez pas compris que vous avez la France, vous avez les États-Unis. Vous n'avez pas compris que c'est les deux blocs. C'est la Troisième Guerre mondiale. On ne vous dit pas ces choses-là. La télé ne va pas vous le dire comme ça. De plus en plus, vous ne savez pas comment ça veut dire. Vous n'avez pas compris encore. Il y a des écritures d'histoire que la Troisième Guerre mondiale va commencer au Proche-Orient. C'est écrit là. Et les gens rigolent quand on leur parle du ciel. Ils disent, oh, rigolent. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas habitués à ces choses-là. Ils sont habitués à ce que les prophètes viennent, ils prêchent, ils prophétisent, ils leur posent les mains, ils leur prophétisent. Mais par rapport à l'éternité, ils ne sont pas habitués qu'on leur dise, il y a une vie après la mort. Si vous mourrez comme ça, c'est le ciel ou c'est l'enfer. Et vous n'avez pas compris que derrière les rebelles, n'est-ce pas, vous avez certains rebelles, vous n'avez pas compris que vous avez, l'Arabie Saoudite, qui est sunnite, et l'Iran qui est chiite. Derrière l'Arabie Saoudite, les États-Unis, derrière l'Iran, comme je le dis, c'est la Russie. On va en parler ce semestre, si Dieu permet. Soit demain, la Troisième Guerre mondiale. Pour vous montrer que c'est fini, ça va péter bientôt, ça va exploser. Vous n'avez pas suivi que la Russie a préparé, la Russie aujourd'hui a des armes terribles. Il y a juste un missile, un seul missile, Satan 2, Satan 3. Si on le largue sur la France, toute la France est détruite. Un seul missile. La Troisième Guerre mondiale. On est à la fin, on n'a plus de temps. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, qui vous voulez servir, où vous voulez aller véritablement. C'est fini ça. Le temps où on cherchait encore les prophètes pour avoir une bénédiction, c'est fini. Fini. Le Seigneur dit, il faut crier, il faut sonner la trompette, il faut avertir les gens qui se préparent. Ça va péter un ici, un autre, ça va péter. Je vous dis. Un tremblement de terre terrible à ce qu'on a reçu. Amen. Dans les prochains mois, vous allez voir les choses qui vont se passer. Ça va être terrible. Le jugement de Dieu. La dernière fois, c'était juste une tempête qui a secoué un peu, c'était 2 ou 3 jours, tout ça. Mais là, ça va être terrible. C'est Dieu qui vous dit aussi. Parce que beaucoup ne veulent pas du Seigneur. Les chrétiens qui reçoivent la parole ne veulent pas de la parole. Les gens ne veulent pas changer. Les gens trompent, il y en a qui trompent leurs femmes et qui continuent à les assembler. Les femmes qui trompent leur mari et qui continuent à les assembler. Les gens, ils vont dire Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit. Beaucoup de mensonges. Les gens vont se servir de nous, de moi en disant j'ai vu Shora a dit ça alors que je n'ai rien dit. Vous voyez, il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est la confusion totale. Je vois un grand tremblement de terre ici à Martinique. J'ai vu des cadavres dans des sacs noirs, dans des entrepôts. Ça va être terrible. Et beaucoup de chrétiens, je le vois pleurer. Pleurer. Ce tremblement de terre, ça va être comme en Haïti, ça va être terrible. Beaucoup de maisons se sont écroulées. C'est la panique partout. Je vois l'orgueil brisé. Des gens orgueilleux autant brisés. Amen. Je l'ai averti depuis des années. Je l'ai averti des gens. Mais le Seigneur dit beaucoup ne veulent pas écouter. Le Seigneur a vu dans vos églises des pasteurs qui vont dans leur bureau, qui vont coucher avec des filles. Certaines filles leur disent, nous sommes tellement enceintes, et ces pasteurs leur donnent l'argent que les frères et sœurs donnent pour l'œuvre du Seigneur, pour qu'elles aillent avorter. Je vois du sang qui coule, du sang qui coule. Plusieurs rivières de sang ici. Dieu dit, mon peuple aime cela.
le chien retourne à ce qu'il a vomi. Ce que tu as vomi hier, tu commences à remanger ces choses-là. Et en même temps, l'image que ça nous donne, c'est cette trompette qui retentit et très peu de gens, à la surprise générale, très peu de gens sont partis à l'enlèvement de l'Église. Très peu. La majorité était restée. Très peu. Et ceux qui étaient restés parmi les chrétiens, ils s'étonnaient en se disant, mais c'est pas possible. Je priais, on priait l'individu, on priait, on jeûnait, on lisait la Bible, ils sont restés. Fini. Fini. Ils entendent Dieu leur dire, vous cherchez plutôt la guérison, plutôt les guérisons terrestres, que ma personne. Cette parole est dure. Vraiment. Quand Hitler est né, Dieu savait que c'était un meurtrier, c'était un démoniaque, il allait être pris et détruit, cet homme s'est suicidé par la suite. On sait que ceux qui se suicident ne vont pas au ciel. Vous vous rendez compte? Dieu savait que certains présidents comme Mitterrand étaient nés pour être pris et détruits. Quoi que l'on fasse, ils n'allaient pas changer. Vous vous rendez compte? Et en ce qui te concerne, peux-tu déjà poser la question si tu appartenais vraiment au Seigneur? C'est une question que chacun doit se poser. Est-ce que j'appartiens à Dieu ou pas? Ma sœur, tu veux croire encore en l'homme? L'homme mortel? Mais l'homme a des belles paroles. L'homme va t'encenser. Tu es belle. Je veux t'épouser. Tu es une belle femme. Mais attends quand tu vas avoir des enfants. Attends quand tu vas tomber malade. Quand tu vas devenir dépendante. Là, tu verras si l'homme peut le supporter. Parce qu'à un moment donné, les enfants finissent par dire à leurs parents, on ne peut plus vous gérer. Non, on va payer quelqu'un qui va prendre soin de vous. Mais où est l'amour alors? Ah oui, cet enfant que tu vas porter, mais un jour il te dira, tu n'as pas le temps. Voilà l'homme. L'homme, tu penses que cet homme t'aime, au point où tu négliges ton Dieu, celui qui t'a créé, tu ne le cherches même pas. Attends que le jour où tu vas mourir. Il va pleurer, oui, parce qu'il t'aime, selon l'homme, charnellement. Mais au bout de 3, 4, 5 mois, il va te payer. Parce que je donnerai à quelqu'un d'autre. Il va aimer plus que toi. L'homme est comme ça. L'homme n'est pas différent de la bête. Et encore, les bêtes, ils tuent pour manger. Les animaux tuent pour manger. Mais l'homme tue par plaisir. L'homme. Il veut gagner encore plus. Vous avez besoin d'employeurs qui payent mal leurs employés. Vous avez, ils amassent, mais ils vont aller où avec? Ils ne seront même pas bons pour chaque année, chaque année quand ils fêtent leur anniversaire, ils s'approchent un peu plus de la tombe. Ils ne seront même pas compte. Vous voyez? Mais on leur a tellement fait croire que c'est éternel. Regardez comment on s'agite. Regardez dehors les véhicules. Les gens s'agitent. Pi, beaucoup d'agitation. Mais on vous a posé la question, vous allez où? Vous vous rappelez quoi? Vous avez 40 ans? Dans 30 ans, vous allez mourir. Mais encore, c'est pas sûr. Parce que la durée d'une vie est de 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Vous vous rendez compte? Quel âge as-tu? Eh bien, si tu as 50 ans, il doit être 20 ans. Désormais, à chaque fois que tu vas souffler sur les bougies pour avoir ton anniversaire, eh bien, dis-toi que mes jambes, mes pieds se rapprochent un peu plus de la tombe. Voilà la nouvelle que nous sommes venus vous apporter. Tu as quel âge? 20 ans? Tu veux dire en faire de l'ordre d'un 50 ans? Ah oui. Selon ce que tu écris. Mais c'est pas sûr que tu sois protégé jusqu'à 50 ans. Parce que tu peux mourir à tout moment.
Chaque fin d'avion qui tombe sur ton immeuble, fini. Ah bah oui. Il prend le truc pour qu'on l'a pour l'un ou à l'autre, quand ça tombe, ça peut arriver ça. Ah bah oui. Tu prends l'avion pour la maison, pour le quand ça tombe, ça peut arriver ça. Ah bah, chaque élément de poids va être une situation alimentaire. Ah bon? Ah bah oui. Un élément de poids, un véhicule est rentré dedans. Ah bon? Son véhicule n'a plus de frein, il rentre dans un arbre, c'est fini, il est parti. Il est parti. On dit bien, il est parti. Et pourtant son corps est là. On aurait pu dire, il est là dedans, on dit, il est parti. Son corps est là, mais lui il est parti. Ah. Donc le vrai toi, c'est pas ce que tu parais extérieurement. Le vrai toi, c'est ce que tu es à l'intérieur. Donc ça veut dire que tu loges quelque part. Ah oui. Après, une fois que ton corps est là, allongé, personne n'en veut. Hein. Même l'homme qui dit t'aimer aujourd'hui, là, il va pas vouloir garder ce corps. Dites-lui seulement, il faut lui dire non, tu vas garder ce corps une nuit. Non, on dit à la porte. Vous voyez? On va te mettre quoi? On va te mettre où là? Toi qui parais, n'est-ce pas, beau, belle. Tu sais, on va te mettre là, on va te caser où? Dans un frigo. Dans un frigo congélateur. Comme le poulet que tu as dans ton congélateur, là, tu vois comme ce poulet là. Je suis convaincu que le poulet que tu as dans ton congélateur, il doit te dire, il doit se dire tous les jours, toi aussi tu viens, ton tour viendra. Ouais, on peut rire. Ah, alléluia. Je vous aide. Donc, regarde toi, ma soeur, même si tu parais belle, t'es pas plus, n'est-ce pas, forte, plus intelligente, hein, plus invincible qu'un poulet, qu'un coq que tu vois là, le coq que tu chasses là, tout ça. La même chose. La différence, c'est que toi, quand tu vas mourir, pour que tu sois présentable, on va te maquiller. Voilà. Mais malgré le mariage, personne ne va vouloir le voir. Plus personne. Je vous assure. Dis à toi, ça c'est la bonne nouvelle. Ah. Tu peux faire le fier que tu veux là, pour séduire les femmes, comme tu aurais pu le faire, toi, jeune homme. N'est-ce pas? Tu aimes faire le beau. Mais ton tour viendra. Et d'ailleurs, le jour où tu vas mourir, hein, on va prendre des organes pour les donner à quelqu'un d'autre. Tu ne pourras même pas dire non. Alors, on est qui? On est quoi? Rien. Voilà. Bon, Seigneur, je pensais que ce soir, il allait se voir la main, il allait prophétiser. Mais c'est dur. Demain, je ne vais pas revenir. Hein. Demain, si tu es de Dieu, tu vas revenir parce que tu n'as pas le choix. Comme nous ne venons pas pour l'argent, donc on peut parler. Alors, c'était pour avoir les offrandes, on n'allait pas parler comme ça. On allait dire oui, c'est pas grave, vous êtes gentil, vous êtes pauvre, vous soyez fortifié, tout ça. Ça, les gens aiment ce discours-là. Et puis à la fin, on dit offrande prophétique, là, les gens vont donner. Alors, bien sûr. Ils ont dit la dernière fois, ce méchant qui a la télé, cet homme ne va plus revenir à Martinique. On est revenu. Il faut aller à la télévision si c'est possible, pour aller le dénoncer encore là-bas. Amen. Mm-hmm. Voilà, ce monsieur est fou. Vous savez, on va vous arracher de l'enfer. Comme la parole le dit. Vous êtes sur le chemin de l'enfer, on va vous arracher de là. Au nom de Jésus. C'est ça notre mission. C'est de vous interpeller, vous pouvez vous dire, oula, là, ah, là. Vous avez votre bête là, non? Qui se balade là? Vous avez, non? C'est quoi votre bête là? Hein? C'est une abeille, hein? N'est-ce pas que vous avez envie de. Vrai ou faux? Ah ah. Ouais, c'est une moustique. Il y a une mouche à tout la mettre. Ouais, moustique qui zika, le moustique zika. Qui n'a pas vu de prendre sa chaussure hein, et de taper sur le moustique zika ou de taper sur la mouche pour la mettre. Qui n'a pas vu? Qui a déjà tué une mouche? Qui a déjà tué un moustique? Qui a déjà tué un cafard? Ah, amen. Voilà. Eh bien, toi, c'est pareil.
aussi leurs armes là. Bam! Donc, jusqu'à présent, c'est Dieu qui te protège. Donc, il est l'heure, il est temps pour te repartir véritablement. Amen. D'accord, le Seigneur. Je vous dis, on n'est pas mieux. C'est pour ça quand un vrai chrétien commence à se sanctifier là, il dérange véritablement les sorciers et les démons. Les démons prennent leurs armes comme avec un moustique là, ils cherchent à nous tuer. Ils tentent de tuer dans la sanctification, personne ne veut t'atteindre. Mais si tu ne crains pas Dieu, si tu vas encore te carnavaler là, tout ça, hein, là, le Seigneur, il y a quelqu'un ici, Dieu te dit, il faut que tu arrêtes. En fait, j'ai vu un cercueil, je t'ai vu dedans. Crise cardiaque. Tu sais que c'est de toi. Tu as senti dans ton cœur quelque chose piquer dans ça. Quelque chose, c'est toi. Je dis bien, quelqu'un ici. Crois-moi. Il y a un démon de mort que Satan a envoyé depuis quelque temps. Ce démon tourne autour de toi. Et Dieu te protège. Ça fait que Dieu a usé de beaucoup de patience. Et il est en train de retirer sa main protectrice. Il va frapper le Dieu avec une espèce de dard, un trait enflammé, ça va provoquer une crise cardiaque, c'est comme ça que tu vas mourir. Et ça ne sera pas le ciel. S'il te plaît, change. Vous savez, en enfer, il y a des gens qui disent tout le temps, Dieu, s'il te plaît, j'allais dans l'assemblée, j'ai écouté ta parole, s'il te plaît, je veux changer, envoie-moi sur terre, je veux avertir tout le monde. Dieu dit, c'est trop tard. Béni. Dieu est amour, mais il ne faut pas provoquer sa colère. Vous vous rendez compte? Jacob et Ésaü, frères. Jacob était de Dieu, Ésaü du malin. Caïn et Abel, frères. Il y en a un qui était du Seigneur, un autre du malin. Même dans nos familles, vous avez des gens qui sont, vous avez des frères et sœurs que vous avez, que nous avons. Mais il y en a, ils ne sont pas de Dieu. Seigneur, vous, vous priez, vous craignez Dieu. Mais eux, vous leur prêchez la parole, ils ne veulent pas. Vous rentrez même, ils vous font la guerre. Vous vous séparez physiquement et puis vous apprenez qu'ils sont morts. Parce qu'ils n'ont jamais été de Dieu. C'est des semences comme ça que Satan envoie sur terre. Alors maintenant la question à laquelle vous répondez, c'est de quelle semence suis-je? Est-ce le blé ou l'ivraie? L'ivraie, ce que c'est? C'est une question? Est-ce que vous êtes le blé ou l'ivraie? L'ivraie. L'ivraie est une plante qui ressemble au blé. Mais à la majorité des fruits, quand les fruits sont un peu mûrs, ben c'est là qu'on voit la différence. Qu'on arrive à distinguer les deux plantes. Mais elles se ressemblent tellement. Et c'est ce qui se passe dans toutes les églises. Vous avez des gens qui sont tellement spirituels, comme vous le voyez, vous les entendez prier. Oh là là, vous êtes même intimidés. Tellement qu'ils prient à haute voix, ça chante, ça, mais quand ils sortent de là, ils manquent de respect à leurs parents, ils lèvent la main sur leur femme, elles trompent leur mari, elles parlent mal aux gens, elles parlent mal à leurs employeurs, tout ça, ou à leurs employés. C'est des gens qui sont hypocrites. Ils vont dans les assemblées juste pour avoir les hommes, les femmes, tout ça. C'est tout. Jésus ne les intéresse pas. C'est ça l'ivraie. Voilà. Alors il faut changer. Je vous invite au
ciel. Amen. Allons au ciel. Disons à Dieu ce soir de manière définitive, Seigneur, je ne veux plus être religieux. Qui n'a jamais vu un homme de sa famille comme un malade? Qui ne s'est jamais rendu compte que le père qui paraissait invincible, la mère qui paraissait invincible, tout ça peut être emporté par la maladie? C'est ça la vie. Et vous croyez, moi je ne crois plus à la vie sur terre, je ne crois plus. Je vous assure. Non. Si la mort, si le suicide n'était pas prohibé, interdit, je crois que beaucoup de chrétiens se seraient suicidés pour le ciel tout de suite. Tellement que la vie sur terre ne leur fait plus rien. Je vous assure. C'est vrai, non? Alors, moi, les gourous viennent dans des sur nous, on va aller sur une planète, là, c'est la place qu'on fait. Voilà. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur terre. Je regardais aux informations de lui, des enfants en Syrie, des enfants, j'ai une fille de quoi, 6 ans, le visage complètement transformé, brûlé, déformé. Voilà ce que l'homme est capable de faire aujourd'hui. Au Gabon, j'étais en mission une fois, on a arrêté un homme de 35 ans qui a violé une fille de 6 mois. Violé. Vous vous rendez compte? Des sauvages. Nous sommes devenus sauvages. Il faut aller dans certaines cités pour voir ce qui se passe réellement. Il y a des endroits en France où la police n'a pas accès. La police a peur. Tellement les hommes sont devenus sauvages. Vous avez vu à Marseille? Chaque semaine, il y a presque des meurtres. C'est terrible. Vous allez vous imaginer le nombre de personnes qui sont tuées par la police. Des enfants, 12 ans, tac, ils tirent dessus. Voilà les hommes que nous sommes devenus. Le monde. Tout ça pourquoi? Pour un bout de terre, un bout de terrain. Vous voyez? Un père va mourir et les enfants vont se battre pour avoir un bout de terrain. Pour partager le peu d'héritage que le père a laissé à la famille, c'est la bagarre, c'est la division, séparation de frères et sœurs, cousins, cousines. Voilà ce que nous sommes devenus. Pourquoi? Pour des terres qu'on va laisser au Seigneur. Moi je veux dire aux gens, prenez tout, vous voulez tout prendre, allez, prenez tout. Mais vous n'allez pas prendre la relation avec le Seigneur. Jamais. C'est ça la vraie richesse, frères et sœurs. Je vous assure. Mes sœurs, les hommes peuvent vous voir la cour, vous disent rien, mais cherchez Jésus. Si vous mourrez, les anges vont vous prendre et vous allez rentrer à la maison. J'ai vu cet homme venir me voir un jour, j'étais là, il me dit, viens, oh Seigneur, c'est beau. On m'a sorti de mon corps et je suis parti. Et je regarde plus haut encore, j'ai vu encore un autre homme, j'étais là à la porte du paradis. Il me dit, viens, je rentre au paradis, frère, c'est ce que j'ai vu là-bas. Non. C'est pour ça que quand les milliardaires viennent me voir, ils disent, oh frère, il y a des nénés, c'est pas le temps. On dit que c'est toi qui t'as bébé, c'est pas le temps. Je suis en prière, il faut leur dire que Dieu m'a fait le bon, je suis en présence. On dit que c'est toi, en général, je parle le temps. Et celui qui n'a jamais souffert, c'est celui qui va profiter de ton argent. Comme cette fourmi qui a amassé pour d'autres fourmis. Vous voyez ce que nous sommes? On prend des dettes, tu t'embêtes pour quoi? Pour aller où avec? Hein? Honnêtement, tout est vanité. Tout est vanité. On va tout laisser? Amen. Quand tu dors, tu peux partir, hein? Ah bah oui. On dit mort naturelle. Donc il y a des morts qui ne sont pas naturelles. Seigneur sauve-nous. Et on utilise beaucoup aussi hein, l'euphémisme pour adoucir la mort. On ne dit pas qu'il est mort, on dit non, il est parti, il nous a quittés. Comme ça les gens ne vont pas avoir peur de la mort, on dit non, il ne faut pas se choquer. Oui,
Parce qu'on peut nous faire croire que c'est éternel. Pose-toi la question, comment tu vas mourir? Est-ce que tu vas manquer de... Tu vas manquer d'air? Ou ça va être un acte où tu pars, comment? Ou dans un avion, il est en train de te voir, en train de là... Et l'avion est en train de tomber, là, je te dis, oh, dans 10 minutes, là, c'est fini. Tu te poses la question, ça va être ma tête qui va partir avant, ça va être ma main, ça va être mon bras, ça va quoi? Ah, on ne pose jamais la question, hein? Moi, je veux ce soir que chacun réalise à quel point il est fragile. On va finir bientôt, vous inquiétez pas. Hier, quelqu'un me disait, ah, le pasteur est tel, le pasteur est tel, il a vieilli, il a du ventre, il a des seins comme ça, il est plus beau comme avant, il était très bien, il est tout mort. Non, la mort rattrape tout le monde. T'as beau mettre de produits, tout ça pour teinter tes cheveux blancs vont pas me repousser. Voilà, la bonne nouvelle. T'as beau te faire des lifting, je sais pas quoi, avec ta peau va toujours tomber. Ah, même si, même sans sourire, on va avoir l'impression que tu souris tellement que ta peau, ça dégouline. Alléluia! Les dents que tu as, les belles dents, ça va tomber. Tu vas mettre un dentier. La viande que tu as mangée, tu ne pourras plus. Tu vas être la soupe. Les belles jambes que tu as, tout ça, tu vois quoi? Tu pourras plus, ça doit être comme ça, après, il faut le calme, ça va plus déjà passer. Je crois que tu es quelqu'un. Dis à toi, voilà, tu n'es rien. Dis-lui, tu es la poussière. Dis-lui, tu ne vaux rien. Les cheveux que tu as, les beaux cheveux que tous les hommes aiment. Ah, les beaux cheveux, les cheveux bouclés, les longs cheveux, tout ça. Oh là là, attends, c'est pas propre. Quand tu vas mourir, là, tu vas voir. Je ne pas avoir de mourir de cancer, attaque, je tombe. Qu'est-ce qui se passe? Problème. Voilà. Je me rappelle une fois, j'ai accompagné ma femme il y a des années pour se faire arracher une dent dans un hôpital. Quand elle est ressortie de la laver, elle joue comme ça, la visage est déformée, frère. Je ne l'ai pas regardé deux fois. Voilà. Là, c'est là qu'on réalise que l'amour, là, voilà, pour le pire, pour le meilleur, là, vous avez là, mais les yeux, on acclame le Seigneur de gloire. Qui veut changer? Vous voulez changer? On finit bientôt. Je ne suis pas un prêtre. Vous savez, les prêtres nous adorent. Ils aiment bien beaucoup nous adormir. Hein. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous chantez? Parlez normalement. Marie dira non, je ne vous connais pas. Saint-Michel, ah non, je ne vous connais pas. Ah ah. Voilà. Je crois que les vrais enfants du Seigneur ici, comme
tellement les travailler, tellement les briser. Ils vont pleurer. Ils vont être seuls. Ils vont délaisser les hommes. Dieu va les séparer de beaucoup d'amis. Dieu va les isoler. Et ils vont être persécutés. Ils vont être persécutés. Ils vont être rejetés. Ils vont être haïs. Mais ça sera des vrais prophètes. Des vraies voix prophétiques. Ils vont se lever comme Jean-Baptiste pour préparer le soleil du Seigneur. Pour crier partout que Jésus revient. Ce sont ces messagers. Ce sont ces messagers. Et tu le prépares. Ils vont apporter la vie là où il y a la mort. Ils vont apporter la joie là où il y a la tristesse. Ils éprouvent ce que tu éprouves face au péché. Ils font le fardeau du Seigneur. Ils ne cherchent pas les acclamations. On ne va pas les acclamer. On va les lapider. On va les rejeter comme Étienne. Mais ce sont des gens qui sont déterminés. Ces femmes qui ont connu le réveil, ces hommes qui ont connu le réveil, qui ne veulent plus se souiller.
Yeah.